Bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Les jeunes sont-ils ouverts à la laïcité? Savent-ils au moins ce que c'est? Qu'en est-il de leur engagement citoyen aujourd'hui? Toutes ces questions ont été débattues les 18 et 19 mars dernier sur le campus de l'ULB, un grand week-end de rencontres appelé Winnie Deuce. Un petit vent de folie a soufflé sur les caméras du CLAV. Et pourtant, on peut être vraiment sérieux à 17 ans, n'en déplaise à Rimbaud. Aujourd'hui, le défi auquel est confrontée l'humanité, la globalisation du monde, fait qu'effectivement, dans des sociétés métissées, il est important effectivement de retrouver le chemin de cette capacité qu'ont les hommes à se réinventer à travers toutes les cultures, dans le respect des personnes et non pas des idées. Et c'est une chose qu'il fallait rendre accessible en particulier aux jeunes qui sont là pour construire le monde de demain, aux jeunes qui sont là pour se créer leur propre entendement, leur propre autorité, sans avoir à s'imprégner des traditions anciennes, ni effectivement à devoir respecter les transcendances de quelque ordre qu'elles soient. La démocratie, c'est ça, c'est le choix d'un destin individuel comme un destin collectif, un destin souhaité, voulu au sein même d'un état de droit. On ose la jeunesse, les jeunes n'attendent que ça. Dans toutes les études sociologiques, on voit que la valeur refuge des jeunes, ce sont les parents et la famille. Les jeunes attendent des aînés de l'aide, concrètement, financièrement, affectivement, politiquement, à tous les niveaux. Il faut qu'on les écoute. Oser la jeunesse, c'est oser apprendre des jeunes. Et là, franchement, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et beaucoup d'envie aussi de nous raconter le monde dans lequel ils vont vivre et qui s'inscrit dans l'avenir. On m'a donné une mission, interpeller Vincent Cespedes, qui, parce que je comprends, lui-même interpelle la jeunesse. Alors je voudrais mêler toutes ces interpellations. Et donc je vais vous interpeller sur ce qui, moi, m'interpelle, en fait. Interpeller. La liberté de penser. La liberté de penser, c'est ce qu'on ne veut pas en général. Là, je pense qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. On a très peur de penser véritablement et on a très peur d'être libre de penser. C'est un exercice et 2000 ans de philosophie nous ont montré que c'était dangereux quand on poussait les citoyens à dire « tu es libre de penser autrement dans la différence ». Nous sommes des animaux grégaires et passifs par essence et il faut tout l'apport de la culture pour pouvoir s'arracher de notre paresse de penser comme tout le monde. Maintenant, c'est vrai que les jeunes cherchent de nouveaux engagements et ils ont besoin plutôt d'avoir des outils pour construire leur engagement plutôt que d'avoir des engagements clés en main. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à dire aux jeunes, fabriquez vos engagements de demain. On vous donne une boîte à outils, on vous donne des choses qui ont marché, on vous donne une conscience politique qui a fait ses preuves. Mais c'est à vous d'inventer les linéaments de la critique de demain. Ils doivent être créateurs de leur propre engagement. La société va partir dans tous les without sens et ça sera le chaos. Nous interpellons les gens et nous leur proposons un dilemme moral en fonction d'une thématique et nous représentons la solidarité. Oui, nous sommes en 2076, post-apocalypse, il y a eu les problèmes de l'eau contaminée. Alors maintenant on produit de l'eau potable, mais ça c'est nous agriculteurs qui nous en occupons. Deux mois hein, de travail pour ça d'eau potable. Le
le Centre d'Action Laïque et sa commission d'eau, en effet, dès 2002, proposait une nouvelle législation. Il y a vraiment eu un travail juridique très approfondi qui concernait à l'époque toutes les drogues, et donc qui n'était pas un projet de dépénalisation, pas seulement de dépénalisation ou de légalisation, mais vraiment de réglementation de la production, la circulation, la distribution, la consommation des drogues. Que tout ça soit pris en charge par une politique publique. Alors, il y a vraiment une proposition très, très élaborée qui tient compte de la prévention et avec une commission de contrôle, puisque l'idée, c'est de voir quel impact ça aurait sur la santé publique. Le débat porte sur l'engagement de la jeunesse. Où en est la jeunesse? Quelle place lui donner aujourd'hui? Quelles sont ses dynamiques? Que peut-elle apporter à la génération précédente? Comment les jeunes voient-ils leur avenir? Pour l'instant, ce qu'on se rend compte, pour les jeunes par exemple, c'est que le problème, c'est surtout quel espace pour l'action des jeunes on peut mettre en place pour qu'ils développent leur volonté d'agir, leur volonté d'action. Ce que l'on voit finalement de beau dans la jeunesse, je pense, même si j'ai encore une fois un problème avec ce concept, c'est justement la capacité de prendre le pouvoir soi-même. C'est aussi une capacité d'imagination. Dans le parc Maximilien, justement, les jeunes n'ont pas attendu que les autorités viennent pour leur donner des places, etc., des accords, etc. C'est vraiment la jeunesse qui a décidé de le faire elle-même. Il ne s'agit pas de nier les différences, mais de construire un cadre qui, au-delà des différences, puisse accueillir tout le monde. Écoutez, la laïcité n'est pas de demain, ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Elle est, à mon avis, toujours valable. Lorsqu'il s'agit de poser les conditions de la liberté, de l'égalité et de la fraternité rendue possible par le partage du bien commun. En une époque, on a vu réapparaître malheureusement les fanatismes religieux, le repli communautariste, l'utilisation de la religion, non pas à des fins de pure spiritualité, mais à des fins de domination politique. Il est extrêmement important de rappeler effectivement ce qu'est la laïcité. Expliquez-moi ce que c'est. C'est donc fait, c'est le symbole de la résistance actuelle aux idées d'extrême droite. C'est le triangle, oui. Il faut savoir que dans les camps de concentration, le triangle rouge, c'était le symbole qui était imposé de force sur les prisonniers politiques. Donc tous les résistants, tous ceux qui étaient opposés aux idées. J'ai une question. Oui. Parce que si on était juif opposant politique et homosexuel, par exemple, on avait plusieurs trucs, on était obligé de mettre plusieurs. Non, déjà pour... ou bien, Un peu comme vous et vos bacs, monsieur Léon. Oui, c'est ça qu'on devait une bonne question. C'est une bonne question. Généralement, on arrivera à en cumuler deux. Vida collectiva, la collectiva, es mi comida, la grupa, es mi decisión. Ça dépend si les gens savent ce que ça veut dire le mot laïcité. C'est un terme qui est beaucoup employé, mais peu compris par la masse populaire, on va dire. C'est employé par les politiques de différentes manières, peut-être pas toujours la bonne. Je pense que ce genre de collectif permet justement de rassembler des gens et permet de comprendre ce que c'est réellement dans son ensemble, le mot laïcité. Il y a une frilosité dans le sens où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, et je pense que donc il y a deux clans de pensée. C'est ceux qui pensent que voilà, on arrive à un point où notre société doit changer et qui vont vouloir participer à des changements, et d'autres où certains désintérêts se forment donc et se laissent peut-être sont plus passifs en fait, je pense. Ah, mais moi je trouve que c'est vraiment très très bien. En plus, je pense que c'est important de remettre entre guillemets la laïcité au goût du jour, parce qu'au final c'est très fédérateur. Enfin, la laïcité, ça veut pas dire ne pas avoir de religion, ça, c'est simplement quelque chose de plus global qui englobe tout le monde et qui est basé sur la tolérance et le respect. Et je pense qu'on a vraiment bien besoin de ça, de se rappeler qu'on peut tous être solidaires et tolérants les uns envers les autres. Et je trouve que c'est vraiment assez bien foutu. Il y a plein de choses différentes, plein de gens qui permettent de donner des idées ou de parler de choses et de découvrir aussi des initiatives et des mouvements dont on n'aurait pas nécessairement eu vent si on était resté chez soi. Donc je trouve ça très bien. Vida colectiva.
C'était un reportage signé par le Centre laïque de l'audiovisuel. Si vous voulez le revoir, facile, un site web libresensemble.be ou nous écrire à l'adresse mail libresensemble@laïcité-sans-l'accent.net. À bientôt.